Bon, attendez avant de commencer là. Il y en a un qui a pas liké et qui est pas abonné là. Yo les potes, bon bah nouveau jour sur ce DLC. Oula oula, oula toi t'es agressif toi. Toi t'es agressif. Y a encore quelque chose que j'ai pas testé, c'est les trucs d'ammunition. Mais je vais pas vous mentir, je m'en bats les steaks. Je m'en bats un peu les steaks. Et j'hésite à acheter le nouveau fusil. J'hésite à vendre ma MK2 aussi. C'est quoi comme fusil qu'il avait lui? Oh 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 oh. Oh qui me tire dessus là? Toi tu tires sur les gens comme ça? Oh, il s'est fait buter. C'est qui? C'est Astradamus qui agresse tout le monde. Oh, le headshot. Tire pas dessus, toi. J'aurais pas kiffé le headshot. Eh oui, le code barre, c'est moi. Oui, c'est bien moi, le code barre. Bon, ma parole, lui, m'a fait fumer ma caisse toute neuve. Et si t'arrives, toi? Moi, alors, je sais pas trop ce qu'on va faire, hein. Je sais pas. J'hésite à acheter la nouvelle mitraillette. Elle coûte combien, déjà? Elle coûte cher. Fusil lourd. Mais c'est un fusil à pompe. C'est marrant, c'est un fusil à pompe ce truc, non? Parce qu'il a la même portée que celui-là. 450 000, non, j'achète pas, non, c'est bon. Faut arrêter de mettre des prix comme ça, Rockstar. Moi, j'achète pas, c'est pas parce que j'ai de l'argent que je vais tout dépenser n'importe comment. Oh le bâtard, Yoka a détruit un véhicule de quoi? What? Oh les. A été atomisé par le canon orbital, oh là là. Lui, je vais le troller, ma parole. Excalibur. Lui, je vais salement le troller, lui. Je sors mon petit zizi. Non, c'est Astradamus que je veux. Pas que je me trompe dans les pseudos. C'est lui qui m'a ruiné ma caisse. Oh, bah il se fait que de crever aussi. Il se fait que de mourir, hein. C'est dur, hein, de jouer. Voilà, viens par là, Astradamus. Voilà, il est mort. Voilà, il est mort. C'est cancer ce que je fais, mais bon. Je crois qu'il n'est pas cancer lui. Attends, bénéficie de pour une durée limitée de quoi? Attends, je quitte ça. Oh oh oh, oh, je suis trop chaud, deux balles de mort. Oh, je suis trop chaud, je suis trop chaud. Bon, allez, je me casse. ULP contre espionnage, mais je la fais pas avec vous, moi je vais la faire, je vais les faire tout seul l'émission. Comme un grand. Alors, par contre, on reçoit pas de message quand on a un nouveau truc à faire. Je trouve ça bizarre. Hein. Ah ouais, je voulais lire ça. Gain doublé pour les clubs de motards. C'est toujours aussi cancer la MK2, je vous dis. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Eh ouais, maintenant que Rockstar a nerf la MK2, tout le monde a envie de... Voilà, il suffit de se mettre au niveau de la voie de la route. Et voilà, moi j'ai besoin de mon club de motards, et y a pas, et y a pas, et voilà, y a pas de place. Ok, mais ça commence déjà à me casser les couilles. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire alors? C'est quoi cette mise à jour là, où y a rien à faire là, à part 3 missions pétées là? Mais putain, mais pourquoi tu me casses les couilles toi? Je veux dire, why? Why, fils de pute? Moi, je comprends pas trop, moi, cette mise à jour, elle est bizarre. C'est plus un patch qu'autre chose, hein. Un petit patch. Olé! Les camions qui spawnent devant moi, ça a pas été patché, ça. Putain, mais la station est totalement laggy. Où je vais aller? Je vais appeler Johan. Vas-y, Johan, trouve-moi un truc. C'est triplé, ça, apparemment. Ça rapportera que dalle, après. Donc, on les fait maintenant, parce que ça servira plus à rien. Ok, là. Plus personne les fera plus tard. Vas-y, amène-moi une vraie voiture là. Le joueur qui m'a fumé un MK2, il devait être en train de tester le nerf. Il a bien dû voir que le nerf, tu te mets au niveau de la route et tu shootes toutes les bagnoles quoi. Franchement, c'est un nerf de merde, je trouve. Ça reste un putain de véhicule cancer. Voilà, on remplit la boîte de nid ou quoi? Ouais, et puis les nouvelles voitures, moi je vous dis, tant que je peux pas les essayer, je les achète pas moi. Moi, je mets pas 3 millions dans une bagnole que je sais même pas si elle est bien. Hein. T'es un fou toi. T'as cru que j'avais $1 milliard ou quoi? Voler les marchandises. Oh merde, merde. Oh. Oh bah j'avais pas prévu ça. Ok, d'accord, ça va, les PNJ sont pas trop hardcore. Je les vois même pas, putain. Mais putain, mais vraie partie de plaisir de faire ces nouvelles missions. Comment on fait déjà pour se mettre des encas? Voilà la nouvelle technique cheat, regardez. Je suis mortel. Allez, tire, 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 tire. Hop, je suis mortel. Qu'est-ce que tu vas faire? On est en god mode maintenant avec le menu. Comment on monte là?
Ouais, c'est des sortes de mini-guerres commerciales, quoi. Oh putain, me dis pas que tu peux pas escalader. Par contre, les PNJ sont salés, je trouve. Hop. Très rapide de se remettre de la vie maintenant. C'est une bonne chose, même si à mon avis pour les duels de PVP ça peut faire. Enfin, pour... y a moyen de troller les petits niveaux avec ça. Un petit niveau, tu veux le taser, tu cours vers lui, tac tac tac, tu te remets des encas quand il tire dessus. Avec un casque évidemment, le mieux ce serait qu'un casque. Je vais aller m'acheter un casque moi. Bon, je suppose qu'en une caisse ça rapporte moins que si j'ai un camion, hein. Ah, et c'est bugué. C'est bugué. Ça commence bien Rockstar le DLC. Nice. Bon bah je suis obligé de faire une session, j'ai fait ça pour rien. Bon, ça me casse déjà les couilles là. Voilà, une mission déjà où je m'assois dessus. Attends, là il y a un mec là. Ace of Hearts, super cancer lui. Il est en train d'attaquer le... Ouais c'est bien ça, je rêve pas hein. On va le fumer. Amène-moi mon Sparrow. Ace of Hearts qui attaque une marchandise. Il a pas réussi. On va aller lui niquer sa gueule. Oh, c'est vrai que je peux mettre des leurres sur mon Sparrow maintenant. Voilà les cancers, ils sont plus MK2, ils sont en Deluxo. Ah merci Rockstar, ça a tout changé. Why? Putain, mais pourquoi ils font ça ces fils de pute? Putain, ma MK2, non. Ça y est. Je voulais la vendre, je vais pas la vendre. Vu comment les mecs ils vont jouer Deluxo Toréador, je vais tous les enculer s'ils m'énervent. Vaut mieux pas qu'ils m'énervent. Parce que là sinon je vais faire péter tout le monde moi. Ça va être vite fait, ça va être le premier que je croise le but hein. Si c'est comme ça qu'on joue. D'où il est rentré avec sa Deluxo dans le... Putain, mais il est en god mode son truc ou quoi? Il est en god mode ton sous-marin, j'ai plus de missiles. Pourquoi t'as fait ça, espèce de sale bâtard? Mais putain, mais c'est quoi encore ce délire? Agent 655, petite merde que tu es, va. Tiens. Donnant. Voilà, boum! Oh, l'explosion magnifique. Moi j'allais viser l'autre Ace of mes couilles là, mais je me fais aggro bêtement par un trou de balle. Où te caches-tu? V pour un gilet, ça c'est trop pratique. Ça change la vie, c'est le meilleur de la mise à jour, il est là-dedans. Grosse merde que tu es, va. Plus jamais tu m'attaques comme une merde avec ta Deluxo de fils de pute, va. Vas-y, reviens. Soyez les autorités, comme ça je suis tranquille. Grosse merde que tu es, va. Pourquoi il a fait le malin là? Regarde, il sait même pas se défendre, ce trou du cul. Pourquoi t'as fait le malin? T'es nul. N'essaye même pas, je te dis. Putain, c'est la misère. Mais il est nul. Ça va être de ma faute bientôt. Nul. Ah, c'est un modeur Ace of Hearts. Il n'y a plus qu'à mettre le mode passif. Ouais, c'est un modeur. Putain, ma parole, t'as trop de la chatte. Il y a déjà des modeurs, la mise à jour vient de sortir. Hein. Putain, il y a déjà des modeurs, quoi. Là, je me casse de là. Est-ce qu'il connaît la technique? Ah, grosse merde que tu y vas. Il connaît même pas la technique. Déjà, il connaît même pas le mode fantôme. Ça prouve que le mec, c'est un gros noob. Et il connaît pas la technique. Fils de pute, va. Dans ta gueule, un missile, un mort. Il y a Fuxi aussi. Putain, mais ils sont tous surexcités aujourd'hui avec la mise à jour. Toi aussi, t'es surexcité, toi. Toi aussi, t'es surexcité, tu te calmes. Bon, les gars, c'est bon. Moi, je bute tout le monde maintenant. Allez tous vous faire enculer, c'est bon. Je me fais griffe de ouf. C'est bon, quoi. Allez. Toi, là. Là, il y a une prime, là. La prime, elle est pour moi. Qui veut casser les couilles? J'ai gagné combien, là? 7 000 $. Oh, le bâtard, Ice of Hard, il lui a pété sa marchandise. Oh, le bâtard. Ah, je vais peut-être essayer de la gratter, moi. Vu qu'il est en fantôme. Ah, il l'a prise. Ah, je vais mourir. Bon, bah, il n'y a plus qu'à changer de session. Hein. C'est ultra cancer, ici. Je retourne dans l'agence. Ouais, les potes, je voulais vous dire, Rockstar, ils veulent nous décourager de faire l'agence parce qu'ils se sont rendus compte que c'était trop rentable. Moi, c'est pas un problème. C'est-à-dire, tu veux mettre des gains de merde, je vais vous montrer. Nous, on va continuer de faire l'agence. Pourquoi? Bah, parce que j'ai un pote qui m'a dit, lui, il a fait les 500 contrats, il a 50 000 par heure. Donc, il y a toujours ça qui est très intéressant. Même si les gains sont devenus merdiques.
Voilà. Un jour, je deviendrai riche grâce à l'agence. Regardez, même pas 20 000 en professionnel. Élimination de gang pour 20 000 dollars. Alors que les mecs sont cheat, quoi. Je fais, c'est pas grave. Faut s'en faire une petite de temps en temps. Voilà la petite protection. Putain, c'est tellement pratique, ça, par contre. Les voies de triage. Ok, let's go. Ouais, je prends la MK2, j'ai la flemme d'appeler un autre véhicule, là. Idiot, je m'en bats les couilles de ton véhicule de merde. Il était en train d'écrire dans le chat. Je m'en bats les couilles, je suis pas un cancer. Bon, c'est là. Le capitaine des Vagos. Voilà, à peine j'arrive, on me fait sauter mon gilet. Voilà. Et de 1. Le deuxième, il est là-bas, je crois. Putain, c'est trop pratique, les encas, les gars. C'est magique, hein. Putain, ça change du truc de se mettre à couvert et tout. C'est vraiment pété, hein. Ah, il est là, le deuxième, je crois. T'es pas dans un wagon, là? Mais il y a combien de capitaines, là? N'abandonnez pas, les gars. N'abandonnez pas votre rêve d'avoir 50 000 de façon illimitée. Faites comme moi, même pour 20 000, vous les faites encore. Vous allez y arriver. Ah, ça devient limite un peu cheaté, je te jure, les encas. C'est la zone, c'est bon, on se casse. Par contre, les bots sont cheatés, hein. Va falloir racheter des encas souvent. J'aimerais bien m'acheter une nouvelle voiture, quoi. Mais 3 millions, vous vous rendez compte? 3 millions, les deux voitures qui sont jolies, là. C'est de la folie, quoi. 21 000, ça vaut pas plus qu'un liquidation d'actifs, maintenant, ce truc. Qu'un braquage en cours, quoi. Fallait en profiter un max pendant que c'était x2. Guerre commerciale. Va te faire foutre. Je vais aller faire le truc de ma... La mission qui rapporte 150 000, là. Par contre, est-ce qu'on reçoit un texto quand on a une nouvelle moto dans le club de motards? Parce que si on reçoit pas de texto, ça va être ultra casse-couille. Je m'en bats les couilles de vous. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Eh ouais, aujourd'hui, on est cancer. C'est bon, ras le cul, je me fais cancériser la gueule. Voilà. Oh, la gueule. Elle vend des encas, elle. Export de biens divers. Divers et variés, j'ai envie de dire. Sortez du bureau, ok, grosse pute. Ah merde, je suis allé dans mon garage de fonction 1. Bon, c'est pas grave, on va voir ce que j'ai comme véhicule dedans. Ah, je me souviens, celle-là, quand je l'avais tunée, je la kiffais. Tiens, je vais conduire un peu avec. La Banero. Livrer les biens au terminal. Allez, on y va, tranquille. Putain, la Banero, c'est vraiment un... Putain, la gueule que j'ai, c'est pas possible, quoi. Mais quoi? Putain, qu'est-ce que vous allez me faire chier tous un par un, là, tout ce temps que vous êtes? Mais putain, c'est quoi ces sessions de merde encore? Bah, il a mouru, lui, hein. Bon, bah, vas-y, j'y vais si tu me tires pas dessus. On avance. Beat it. Oh, beat it. C'est pas le moment de prendre des photos, tu vois pas que la session est buggée, là? Putain, regardez, y'a rien qui marche, quoi. Putain, c'est normal, Rockstar. Moi, je monte tout sur ma chaîne, je peux pas faire autrement. C'est Soum Soum, on voit tout. On voit que c'est buggé aujourd'hui, là. Y'a rien qui fonctionne. Regardez, je prends ce fantôme FQ, mes couilles, là. La mise à jour est sortie qu'à moitié. Et y'a 4 voitures, on se fait un peu chier. La session a buggé parce que c'est de la merde des serveurs de Rockstar. Oh, oh, yeah. Eh, ben, je vais quand même faire cette mission tout seul, je m'en... Ah, parce que t'as un temps? Ah, putain, t'as un temps, quoi. Aussi, fallait le dire. Le menu des encas sert toujours quand t'es dans les véhicules, par contre. Alors, faut livrer ça sur les quais. Bon, ça va comme mission, c'est chill. C'est... Pour moi, c'est ma préférée. J'ai pas encore fait celle d'Amination, mais celle-là, je l'aime bien. C'est juste à côté, à chaque fois. Moi, j'aime bien. Non, mais j'aime bien. Je vais pas dire que tout est nul. Ça, c'est bien, j'aime bien. Il est en sens inverse, le PNJ. Non, c'est cool. Moi, j'aime bien cette petite mission. Je vais continuer de la faire souvent. Voilà. Comment ça, plus que 50 000? Ah, la première, elle est x3. La première, elle est x3, mais après, ça passe à 50 000. Ah ouais, bon, même pour 50 000. Je trouve que c'est déjà... ça passe, tu vois ce que je veux dire? On va trouver une nouvelle session, mais d'abord, on retourne dans l'agence. Donc, c'était notre première livraison. Donc, normalement, j'ai une première livraison x3 si je vais à l'Amination. Mais moi, vu que je suis un renard, je vais refaire un contrat. Je lâche pas l'affaire, faut pas lâcher l'affaire. Ça prend 2 minutes. Dommage, la M16, c'était l'arme que j'attendais le plus et elle y est pas, quoi. Y a ça, quoi, mais je le sens pas du tout. Je veux dire, il a une cadence de tir pire, il a plus de dégâts, il a moins de précision que le fusil militaire, donc autant dire que, autant de portée, donc le fusil militaire restera toujours un atout de choix. Que mon pistolet MK2, ouais, par contre, frein de bouche, pas d'accessoire, voilà, merci. Ouais, parce que les contrats, du coup, ils te rapportent 20 000, mais toujours, tu claques toujours 1 500 $ de protection dedans, c'est vraiment que dalle. Les gens sont énervés, je vous dis, tout le monde se tue. En temps normal, quand c'est un nouveau DLC qui plaît, les gens sont tous avec leur voiture, il n'y a plus personne qui se tue. Là, tu vois, c'est cancer land, les gens sont reconnectés, ils sont pas contents, quoi.
Voilà, j'ai fait 64 contrats. Non mais regardez-moi les gains, quoi. On est passé de 35 000 à 15 000. Vas-y, récupération d'objets pour 15 000. Non mais c'est abusé, ça. Je t'ai dit, ils veulent pas que tu farmes. Ils veulent pas que tu farmes les contrats. Ouais, parce qu'après 50 000 par heure, frérot, t'auras même plus besoin de farmer. Avec ta boîte plus ça, t'auras plus besoin de farmer. Ça viendra tout seul avec les heures de jeu. Parce que regarde, quelqu'un qui joue 3 heures par jour, ça fera à peu près 200 000 par jour, fois 30 jours. Le mec, il gagnera 6 millions par mois, juste avec son putain de coffre en jouant 3 heures par jour sans rien foutre. 6 millions. Ah, vas-y, ramène-moi cette bouse. You are brainless, elle m'a dit, j'ai pas de cerveau. Connasse, enfin, bien sûr que si, j'ai un cerveau. Par contre, je trouve ça pas bien comment Rockstar divise la communauté, les communautés. Franchement, je trouve qu'ils divisent trop. Entre le GTA+, alors t'as ceux qui ont leur bonus GTA+, t'as ceux qui sont sur PS5 et qui ont d'autres bonus. Enfin, voilà quoi. En gros, ceux qui sont privilégiés aujourd'hui, c'est ceux sur PS5 et qui payent GTA+. Voilà. Les autres, c'est démerdez-vous. Il m'a pas appelé Franklin. Regarde, la MK2, elle a été nerf. Bon, vas-y, j'ai envie de faire un contrat. Pourquoi tu me casses les couilles, là? J'ai pas envie de faire du PVP contre des retards, là. Alors, par contre, il y a un truc, c'est que le Luxury Motor, il est là, je crois. On va aller voir. Ouais, regardez, il est là. Luxury Auto, donc on pourra mettre au minimum 1, 2, 3, 4. 4 voitures minimum dedans. Qu'on pourra tester. Ouais, tester avant d'acheter. Et je pense que toutes les semaines, ils changeront les bagnoles. Bon, bah, tu sais quoi, ça a pas marché. Je vais aller dans mon bunker. Non, la session, elle est fuckette si ça a pas marché. Putain, j'en ai marre, y'a un qui marche. Vas-y, change de session. Je voulais faire l'agence. Bon, on va aller au bunker. Alors là, normalement, je suis censé avoir un coup de fil d'amination. Ah, c'est ça? Ah, c'est trop bien. Attendez, je vais racheter des matières premières. Des pièces d'armes en surplus ont été chargées. Livrez-les à amination. Oh, c'est trop frais, ça. Oh, ça, c'est frais. Pas besoin d'appeler personne, le truc il est déjà prêt dans ton bunker. Moi je trouve ça frais. Voilà, on rachète. Alors on va tester. Non mais il y a du bon, il y a du moins bon. C'est ce que je disais. Il y a des trucs, c'est bien. Il y a des trucs, tu dis, mais what quoi. Pourquoi vous avez fait ça quoi. Mais bon. Bah vas-y, je veux monter dedans. Voilà. Ouais, c'est pas... Attends. Oh là, j'ai une vie de merde. Bon, c'est pas grave, on va le faire. C'est pas mal, ça te force à aller de business en business, ça te force à... Voilà. Par contre, je le fais une fois, je dis pas que je ferai ça tout le temps, parce qu'il y a trop de trucs à faire du coup. Alors, t'as les nouvelles missions de boîte de nuit. Tu vas avoir le nouveau truc où faut sortir les gens bourrés de la boîte de nuit. Après, tu vas avoir celle-là du bunker. Après, t'as le truc des marchandises spéciales, faut aller dans tes hangars pour... faut aller dans tes entrepôts pour demander à quelqu'un d'aller chercher des trucs. Après, t'as le... J'espère que t'es gentil, toi, Dax the Clown. Après, t'as le truc de la secrétaire, faut aller la voir. Ça fait beaucoup de trucs en plus. Plus les clubs de motards, plus les trucs, en fait. Je pense que Rockstar, ils veulent qu'on joue en mode libre. Moi, je pense que Rockstar, ce qu'ils veulent, c'est que les joueurs, ils jouent en mode libre. Et ils vous laissent la possibilité de faire les ventes en session solo, mais maintenant, il y a beaucoup plus de trucs accessibles en mode libre. Bon, ça va être plus dur de se faire de l'argent avec Caillou qui nerf. Mais moi, Caillou, là, je commence à être écœuré de Caillou. Je commence à en avoir un peu marre. Tu vois, j'en ai préparé un. D'ailleurs, il y a des prépas qui n'ont pas fonctionné. Donc là, faut que je refasse les prépas que j'avais déjà faites. Donc Caillou, j'en ai marre. Après, l'agence, j'en avais pas marre. Donc c'est ça qui est dommage, quoi. Par contre, 50 000, c'est un peu juste, je trouve, comme gain pour les nouvelles missions. Ils auraient pu mettre genre 70 000, ça aurait été mieux accueilli par les joueurs. À 50 000, à mon avis. What? Mais je suis en train de farmer, gros fils de pute, de modeur de merde. C'est quoi ça encore? Voilà. J'espère qu'elle va marcher celle-là. Ouais. Voilà, mais je me fais un billet là. Eh ben, il m'a pas. J'ai pas eu les sous? Pourquoi j'ai pas eu les sous là? Alors, je m'en bats les couilles, je vais essayer de retenter un contrat. En fait, les Elite Plus, c'est les contrats basiques d'avant, maintenant. Donc, quand t'as un Elite Plus, t'es même plus content, t'as juste un contrat de base. Liquidation des actifs, opération de sauvetage, je vais faire liquidation des actifs. Là, il m'a pas marqué sortez de l'agence, donc ça veut dire que la mission, elle s'est pas activée. C'est full buggé, on peut pas jouer quand c'est la mise à jour, elle sort, c'est... Voilà, ça a pas activé le truc. Comme par hasard, l'agence, elle est nerfée et en plus, elle marche plus. RD la mentale. Lui va m'attaquer, c'est sûr. Autant préparer la mitraillette. Ah, oh, c'est quoi sa caisse? Elle est belle sa caisse. C'est quoi cette caisse? Elle est belle, hein. La Schlagen GT. Ah, ben putain, elle est connue en plus. Ah, elle est trop belle, je vais me l'acheter celle-là. La Schlagen GT, faut bien que je reconnaisse. Là, il y a encore des god mode là. Des modeurs de merde. Toi, tu veux m'emmerder, toi? Casse-toi. Mais putain, mais il prend pas ses balles, fils de pute. Non, mais voilà, les sessions sont fuckhead.
Les sessions sont fuckhead, hein. Tout le monde se téléporte. Voilà, super, nice. Good job, Rockstar. Hein. MK2, very nerf. Hein. Oh, nice. Elle est tellement nerf qu'on voit que ça dans les sessions, quoi. Oh, elle nerf mes couilles, ouais. Elle a pas été nerf du tout, quoi. Il est en god mode. Ok, il est en god mode. Allez, je quitte. Allez, je tente une dernière session, les potes. Mais je sens que je vais arrêter de jouer pour aujourd'hui, parce que là c'est trop le bordel, y'a rien qui marche, le mec est en god mode. Moi, est-ce que je vais pouvoir lancer mon putain de contrat, bordel de merde? J'ai même pas envie de jouer au DLC, j'ai envie de jouer au DLC contract là. Laissez-moi faire ça. Par contre Dave, on peut raccrocher, ça fait vraiment plaisir. Hein. Faut que je passe à la boîte dans les 48 minutes. Allez, nouvelle tentative. On va pas y arriver. Hein. 64 contrats, donc là c'est le 65ème. Bon, on va faire récupération d'objets. Ah, quitter l'agence, là ça a marché. Voilà, et on va prendre un hélico. Voilà le gratuit. Mais pourquoi payer quand il y a du gratuit? Allez, on attend le coup de fil de Franklin. Ah, ça c'est une session plus chill. Ça correspond mieux avec mon état d'esprit aujourd'hui là. Après les gars, peut-être que Rockstar ils travaillent sur GTA 6 comme des porcs. C'est peut-être pour ça que j'en sais rien. Mais s'ils sont en retard sur GTA 6, ça serait pas étonnant que le DLC, tu vois, t'as l'impression qu'il est un peu fait à l'arrache. Il y en a qui vont me dire c'est pas une excuse, mais. Oh mais je joue bien aujourd'hui, c'est appréciable. What? Oh, j'ai pas perdu un trait de vie encore. Voilà. Alors le coffre il est là, maintenant on va chercher le papier. Le papier il est pas là, le papier il est sur le bar. Par contre 3 heures par jour, 6 millions par mois. L'agence quand t'as tout fait, quand t'as fait tous les contrats. Ouais, 6 millions par mois, tu te rends compte, ça fait 60 millions à l'année. Mais j'ai pas compté la boîte de nuit, j'ai compté que le coffre du... Ouais, c'est quand même intéressant, je pense. C'est disons que plutôt de faire une liquidation d'actifs... Hop. Ah, j'ai pu me remettre ma vie in extremis. Voilà, je vais mourir. Et là, ce qui est stylé, c'est que maintenant, tu peux retourner par le toit. Voilà, pour atterrir à l'agence. Ah, bah ça, c'est stylé, ça fait plaisir. C'est rallié le collier, chef. Je suis pas une victime, moi. Voilà, 65 contrats. On en a encore beaucoup à faire, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ah oui, le club de motards. Je vais aller voir si j'ai une nouvelle moto, j'ai pas reçu de texto. Ah oui, puis j'ai la mission de popularité de club de motards à faire aussi. Oh! T'as vu ça? T'as vu ça? T'as vu ce PNJ un peu? Alors, est-ce que j'ai une nouvelle moto? Ah bah j'ai une moto, mais c'est... Oh, elle est belle, hein. J'ai une moto, mais c'est bien beau de... La Nightblade. Elle est belle comme ça. On reçoit pas de texto les potes. Donc ça veut dire que tu vas être obligé d'y aller en mode random. Tu vas y aller des fois il y aura rien. Ça va être casse-couille. Elle est belle cette moto. Hein. Ah tu peux pas, si t'es pas club de motard, tu peux pas la custom. Enfin tu peux pas la vendre tout de suite. Faut d'abord te mettre en club de motard. Tu me diras c'est un peu logique. Livrer le véhicule, vas-y go. Plus l'atelier auto, plus... Putain, ça fait beaucoup de trucs à faire maintenant en mode libre. Je crois que les livraisons, elles sont... Ouais, les livraisons sont juste à côté, quoi. C'est très agréable. Pour une fois qu'on nous envoie pas à l'autre bout de la map. De toute façon, faut que je passe à la salle d'arcade. Tant pis pour la popularité du club de motards. Faut que je remette du stuff dans ma boîte, là. J'ai encore un bug, les potes. Je peux pas sauter. Je peux plus courir. Je peux plus ouvrir mon téléphone non plus. Voilà. Alors, là, le stock, c'est bon. Voilà, c'est la boîte. Faut gérer. Voilà, on va remettre du stock de cocaïne. Voilà, mais tant pis, je les ferai dans des sessions sur Invite, hein, s'il faut mes ventes. Hein. C'est tellement rare, de toute façon, une vente de coke, tu t'en as pas tous les jours. Hein. Direction de la boîte de nuit. Je pense que ça va pas être facile de tout gérer, les gars, je vous le dis, il y a trop de trucs à faire, du coup. Tant mieux, hein, vaut mieux qu'il y ait trop que pas assez. Hein. Mais là, il y a trop de trucs à faire. En mode libre, maintenant, c'est l'usine à gaz, mon pote. Va falloir choisir, hein. Va falloir faire des sacrifices sur certains business, à mon avis, parce que on va pas y arriver, sinon tu vas passer ton temps à faire des allers-retours et à courir. Bon, parce que là par exemple, là j'ai délaissé mon atelier auto par exemple. Ah ouais, l'atelier auto je l'ai pas géré quoi. Fauteur de trouble. Ah ouais, j'ai un. Bah y'a rien. Attends, j'ai eu de le coffre déjà. Attends, j'ai un fauteur de trouble. Ah, c'est trop bien, maintenant on peut courir dans la boîte. Ça c'est cool par contre. Hein. Il est où le fauteur de trouble? Il est dans les chiottes. On peut pas avancer là. Wesh, bougez votre cul là. Putain, y'a trop de gens ça. Ah, je me sens intoxiqué de. Non, c'est bugué. Non, je sais pas si c'est bugué ou je sais pas quoi. Ou si c'est pas à cet étage là, mais ça me fait chier. Ça c'est quelque chose dont je suis sûr, donc je me casse. On va appeler Yo-Yo. Si tu veux bien marcher, Johan. Allez au terminal. Ok. Ok, c'est là où je me suis fait ken tout à l'heure, c'est la même mission quoi. Voilà, lui faut le voir. Il y en a encore un là. Mais putain, pourquoi je peux pas sauter? C'est stupide encore. Il y a une échelle là. Oh là là. On peut monter à l'échelle là? Non, on peut pas. Bon, c'est débile. Bon, ce jeu est parfois très débile. Je peux pas sauter et je peux pas monter à l'échelle. Bon, tu sais quoi, va te faire enculer, fils de pute, va. Allez, je vais boire un verre Wania. Va te faire enculer, va.